Hello les amis, c'est Jody Dream, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un petit let's play de la nouvelle maison du style 2. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble le salon de maquillage. Et oui, la fois passée, on avait Arabella qui est venue avec son frère Hugues nous apporter un set. Et donc, on se dit, bah voilà, donc je vais un peu aller découvrir ça, un peu voir ce qui se passe. Et voir pour acheter peut-être du maquillage. Bah merci. Oh, c'est gentil, merci. C'est super gentil. Donc, eh bien voilà, quelque chose pour vous, ma chérie. Vous n'avez pas assez d'argent. Oh, maquillage surprise, c'est 150 euros pour se maquiller. J'en ai 121. Ok. Donc ça, c'est un truc que je trouve pas très cool. C'est que il me semble que les sous de la boutique sont mêlés aux sous de... de votre argent, quoi, vous, quoi. Donc c'est un petit peu relou parce qu'avant c'était pas comme ça. Bon, écoutez, c'est pas grave, j'essaierai de trouver, enfin pas trouver, mais bon, gérer en hors caméra sur moi, acheter des trucs, donc voilà. J'ai pas envie de traîner, j'ai envie de faire de composer des tenues aujourd'hui. Bonjour madame Marga. Eh bien dites donc, soit vous vous couchez extrêmement tard, soit vous vous levez extrêmement tôt. Je viens de débuter la fac, mais je ne sais pas, c'est pas du tout quoi faire, m'attendais. Je pensais qu'il y aurait plus de changements, que je trouverais une nouvelle passion par exemple. C'est le genre de choses qui arriverait, qui arrive habituellement, non? Peut-être que je devrais forcer un peu les choses. Oui, c'est ça, si le changement ne vient pas à moi, c'est moi qui le ferai venir. Alors pour commencer, pouvez-vous me trouver une jupe girly? Pas de problème. Donc je dois avoir ça, je suis le seul qui pourrait être très bien. En plus, dans ses prix, il me semble. C'est cool. Ah. Je sais que c'est mignon en plus l'ensemble, faudrait juste un petit chemisier blanc ou quoi, ça peut être beau. Oh, yes. Merci beaucoup pour l'aide. Ok, bah merci, au revoir madame. A bientôt. Donc j'ai encore deux clientes. Vous êtes un oiseau de nuit, ma parole. Je me suis enfin débarrassée de ces horribles fourches, je dis. Qu'est-ce que vous en dites? Ça n'a pas été simple, mais le résultat est au rendez-vous. Pour fêter ça, j'ai envie de passer et m'acheter de nouveaux habits. Est-ce que vous avez des hauts légers, pop, en stock? Bah oui, je dois sûrement avoir ça. Oui, j'ai celui-là qui est pas très beau et qui est pas... Mais non, quoi, non. Oui, tiens. Par contre, sa robe est super mignonne avec les petits bonbons. On voit absolument pas le haut en dessous de sa robe, mais bon. Bah écoute, tant mieux, hein, si tu aimes bien, madame. Merci, à très bientôt. Au revoir, madame. Waouh, il y en a beaucoup d'éclats là d'un coup qui rentrent. J'en ai trois d'un coup, là. Bon, celle-ci, elle est avant les autres. Mathilde, on peut dire que vous n'avez pas peur de travailler jusque-là dans la nuit. Vous m'impressionnez. Vous avez un moment pour discuter, jeudi? C'est à propos de ma chanteuse préférée. Elle porte une robe de ville à couper le souffle dans son dernier clip. Il y a plein de fleurs dessus, c'est vraiment quelque chose. J'aimerais tant pouvoir m'habiller comme elle. Ce serait formidable de chanter et danser en portant une telle robe. Je vous en prie, montrez-moi une robe de ville à fleurs. Je ne m'attendais pas à trouver la même... Bon, on va essayer, pas de problème. Par contre, je vois que j'entends, j'ai mon téléphone qui est en train de péter des câbles. Voilà. Donc, une robe de ville type... Pom pom pom, robe habillée, robe de ville, motif, fleur, un article. Bon bah voilà, j'ai celle-ci. Hein. Essaye, tiens. J'espère qu'elle va retirer son jeans au moins. Oui, ça va. Ah, oh, que si, les baskets vont pas du tout avec, mais c'est très mignon. Super. Ok. Merci. Au revoir, madame. Ah, mignon. Aïcha, on peut dire que vous n'avez pas peur de travailler jusqu'à... Lol.
Elle m'a dit que vous ne vendiez pas que des vêtements, et si c'est vrai, vous vendez aussi des boucles d'oreilles. C'est ça, j'ai toujours adoré porter des boucles d'oreilles depuis toute petite. J'aimerais beaucoup m'en trouver une jolie paire aujourd'hui. J'aimerais particulièrement de dorées, elles brillent tellement. Oui, je crois que je dois avoir des dorées. Oui, regardez, j'en ai des adorables ici, avec des petits, en forme de petits cœurs. Je vais vous les mettre comme ça bien devant pour que vous puissiez voir. C'est tellement adorable. Je vais lui montrer. Ah oui, elle kiffe. Hein. Waouh! Ah oui. Oh waouh, elle adore. Ah, cette cinématique-là, ça me disait rien par contre. J'adore tout ce qui est or. Ok, super. Elles me vont bien. Bah oui, qu'elles te vont bien. Ah, Lulu qui revient. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Je déchirais dessus en faisant du rangement. C'est un journal de nos grands-mères. Tenez, à gérer la boutique. Apparemment, elle réorganisait le magasin assez régulièrement. À chaque approvisionnement en nouvelle marque, elle redécorait pour s'adapter à ses marques. C'est une idée géniale, non? Après tout, chaque marque a un univers qui lui est propre. La boutique doit avoir la bonne ambiance pour mettre les clients à l'aise. On devrait essayer de faire ça, nous aussi. Il y a toutes sortes de marques au showroom. Il faut qu'on change la boutique pour les mettre en valeur. Je vais faire ce qu'il faut pour qu'on puisse ouvrir la boutique n'importe quand. Prévenez-moi quand vous aurez envie d'essayer. Ben, on va essayer. Ouais, moi, j'ai envie d'essayer. Dans le menu. Gestion du stock déco. Oh, on peut... Extérieur. Qu'est-ce que je peux faire à l'extérieur? Waouh, regardez, j'ai... Donc, c'est comme dans l'autre. Oh, c'est trop cool. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je peux faire une façade... Non, c'est vrai que c'est la nuit, donc on va pas forcément mettre donc une façade toute en briques. Une façade rose. Une façade comme ça toute blanche. Une façade bleue. Ou une façade verte. J'aime le rose, donc ça sera en rose. Donc, maintenant, l'aventure... Ah, doré comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ou alors comme ça. Oh, c'est adorable comme ça, moi j'aime bien. Enfin, j'aime bien, mais je crois que je vais laisser quand même le truc avant, c'est chouette, j'aime bien. Enfin, je sais pas. Je ne sais pas, les amis, je suis mitigée. Enfin, je vais rester comme ça à l'extérieur, voilà, c'est très bien comme ça. C'est joli. Et intérieur, comment est-ce que je peux décorer ça? Donc, voici l'apparence de ma boutique, donc je peux mettre comme ceci. En clair comme ça. Oh, la déco pop, elle est trop belle. Donc remettre aussi comme ça, comme ceci ou comme ceci. Ok, donc j'ai 5 décorations. Je vais mettre la décoration pop parce que voilà, j'aime bien le style pop, donc voilà. Et décoration, qu'est-ce qu'on peut modifier? Oh, c'est génial. Oh purée les amis, en fait quand vous cliquez sur... Donc je reviens en arrière pour vous montrer. Donc vous avez trois donc différentes choses là et vous avez trois tables qui sont ici. Suivant où vous cliquez sur une table en fait ça change... Ok, donc ça change différents endroits du magasin. Donc ça peut changer là, là ou là. Et donc suivant... Oh c'est trop trop cool. Oh je kiffe hein, les gars. Je kiffe mais tellement... Oh, c'est tellement cool. Je vais mettre des bijoux. Je vais mettre des bijoux. Ok. Et là, je vais mettre quoi? Des petits gâteaux pour les clientes. Non, pas des petits bouts de gâteaux pour les clientes. C'est peut-être un petit peu trop. Si, je vais mettre du gâteau pour les clientes. Ok. Et ici, je vais mettre... le petit sac. Ok. Oh non, le gâteau, non, peut-être pas. Je vais pas mettre le gâteau. Je vais ranger ça. Hop, je clique. Je vais mettre une paire de chaussures. Voilà. Ok, ok. Oh, c'est trop, trop cool. Oh, c'est trop bien. Donc, vous avez vraiment l'extérieur, l'intérieur, donc l'intérieur général, et ensuite mettre des petites décos. Oh, c'est trop géant. J'ai de nouveau des clientes, c'est trop bien. Waouh, vous êtes encore là? J'étais très occupée ces derniers temps et je commence à me sentir très fatiguée. J'essaie de tout un tas de choses pour me donner plus d'énergie, mais rien n'y fait. C'est pour ça que je suis là.
La mode m'intéresse pas beaucoup, mais Mamie m'a conseillé de venir vous voir. Elle m'a dit, c'est de me remotiver. Ok. Ok, tu veux un pantalon sans motif, d'accord. Bah, on doit voir ça. Hein. Jeans skinny, uni. Ouais, comme ça c'est bien, sans motif. Tiens, essaye, madame. Ah oh, ouais, non, c'est super joli la déco, franchement. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop cool. J'ai encore reçu un mail. Ah, la marque Oral. Ok. On oublie un grand projet. Ok, on parle du salon de beauté, d'accord, ok. Ah, et Nora qui m'a acheté un chapeau. Un peu plus de rire, par exemple, j'aimerais beaucoup une belle boutique, ça monte pas sans vrai, mais je me suis dit que je devais arrêter d'acheter toujours les mêmes vêtements, je vais changer, je vais repenser tout mon style, donc aujourd'hui j'aimerais une tenue cool. Yes! Toute une tenue. Oh, une tenue cool pour 450 euros. D'accord. Style. Cool. On va essayer de faire ça. Hein. Bon, j'ai ceci, j'ai envie de l'utiliser. Avec. Non. Avec un jeans. L'ensemble n'est pas trop cher déjà. J'ai pas de truc. Ah oui, si on va mettre ça. Petite chaussure. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Oh non, c'est pas beau. Une veste? Non. Une veste? Ah, c'est pas mal ça. J'aime bien celle-là. Avec un petit collier. Un sac. On tente le sac. Ouais. On tente le petit nœud. Ouais, c'est trop cool. Les boucles d'oreilles. Et voilà, on a une tenue complète, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Essayez. Oh, ça a de l'allure. Allez, hop, dans la cabine d'essayage. Ben oui que ça a de l'allure. Qu'est-ce que tu crois? J'ai du goût, madame. Hein. Oh, yes, ça donne bien. J'aime bien. Avec le petit collier et tout, la 400 et des... Ouh, canne d'entrée, c'est trop bien. Oh, madame. Je me dis qu'on puisse faire la vitrine et tout, ça j'aimais bien de faire ça. Oh, j'adore son style, elle, c'est trop mignon. Ok, j'ai acheté un livre pour débutants, je m'entraîne aussi souvent que je peux. Mes livres conseillent d'avoir quelque chose sur soi, comportement pendant les... Ok. De violer aujourd'hui. De violer? Des poudres violettes. Bah, j'ai celle-ci. J'ai une en forme de champignon. Vous ne les voyez pas spécialement. Mais c'est des petites poudres en forme de champignon. Je les avais de base dans le jeu. Donc, j'espère que ça fera l'affaire. Ah oui, bah voilà, c'est nickel. Ah, c'est trop mignon. Nickel. Oui, je me réjouis vraiment qu'on puisse faire la vitrine. Franchement, ça sera super ça. Je regarde s'il y a quelqu'un qu'on connaît, une cloche qu'on connaît déjà. Oui, on en connaît déjà. Je pense que je vais plutôt m'occuper de celle qu'on n'a pas encore rencontrée. Maëva. Waouh, vous êtes encore là. Ok, une jupe. Qu'est-ce que tu veux comme jupe? Allô, girly, pas de problème. Bon. Bon, allez, je vais quand même faire une recherche là. Type. Non. Mon style, je vais arriver. Girly. Oh, ça c'est joli ça. Mais l'autre ira bien avec sa blouse qu'elle a mis. Ah oui, c'est pas une blouse, c'est.
Ok, super. Lydie, ah, elle est super jolie, elle. Oh, regardez comme elle est trop belle. Ok. Je vais chercher une tenue sobre, donc aujourd'hui j'aime maintenant une tenue plus cool. Ok. Style. Cool. On va faire, à mon avis, on va se quitter avec cette demoiselle. Ah oui, non, c'est noir et blanc. Donc je vais mettre plutôt un pantalon bleu. Oh non, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau ce blouse. Hein. J'en ai trois en plus en stock. C'est vraiment, mais vraiment pas beau. Bon, non, je vais essayer autre chose. Je vais essayer autre chose. Voilà, là vous avez vraiment un ensemble, je trouve. Ça fait vraiment petit ensemble. Avec ça, hop. Les petites chaussures comme ça c'est bien. En plus c'est 600 donc on a la blinde, on a vraiment plein plein de sous qu'on peut, ça c'est bien, qu'on peut utiliser. Et le petit sac, non pas comme ça, ouais comme ça, ouais comme ça. Ah c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Une minute. Ah, qu'est-ce qu'elle va ressembler. Oh ouais, oh c'est super joli. Moi j'adore. Oh je surkiffe. Hein. Oh, comme j'aime. Ah oh, j'adore. Oh. Ouais, 1200, c'est super. À mon avis, j'irai sûrement refaire un tour au showroom. Oh madame. Et les amis, c'est ici que moi aussi je vais vous dire au revoir. Je vous fais plein, 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 plein de poutous. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez apprécié, à vous abonner si vous me découvrez. Donc voilà, plein de bisous, prenez soin de vous et à la prochaine, ciao ciao!